L'objectif de cette journée, c'est de récompenser les bénévoles et de les mettre à l'honneur. Valoriser le bénévolat qui est finalement une spécialité, une spécificité de la région des Pays de la Loire. La région des Pays de la Loire est une terre de bénévolat. 700 000 bénévoles dans 95 000 associations, c'est finalement inédit. En tout cas, on peut être très fier de cet engagement au service des autres, au service du lien. Et on sait très bien qu'on en a vraiment besoin dans ces temps troubles. J'ai choisi de devenir bénévole suite à mon stage aux Amis de la Solidarité. Et en fait, c'était l'envie de donner plus. On m'a transmis les valeurs de l'association et en fait, en discutant avec les bénévoles et bénéficiaires, et j'avais envie de donner de ce temps qui me restait. Ça apporte de la chaleur humaine et aussi le partage, l'intergénérationnalité aussi, par exemple, dans l'échange de beaucoup de choses dans différents domaines. Et c'est aussi un soutien inconditionnel aussi en termes de, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme une seconde famille. Humainement, le bénévolat, ça m'apporte énormément. Ça m'a permis de développer ma liste d'amis que j'ai aujourd'hui. Ça m'a aussi permis de me développer personnellement, qui m'a aidé aujourd'hui dans ma vie professionnelle et personnelle. Recevoir une médaille, c'est de la fierté. C'est hyper important, c'est vrai, de valoriser tout ce qui est fait parce que sans le bénévolat, les associations, ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà, mettre en lumière les bénévoles, jeunes ou moins jeunes, c'est hyper important. Je représente le Secours Pop de manière générale et elle est aussi un peu pour eux, cette médaille. C'est un super événement parce qu'on voit beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres bénévoles. Là, il y a deux minutes, France Bénévolat m'a interpellé, donc il y a des connexions qui se font. Et puis, il y a même des projets, j'ai l'impression, qui vont continuer. Donc c'est hyper riche aussi de voir d'autres qui œuvrent dans d'autres thématiques. On a entendu aujourd'hui que 9 jeunes sur 10 étaient engagés dans le bénévolat ou souhaitaient s'y engager. Prochainement, je pense que le renouveau est là et qu'on va continuer d'être une terre de bénévolat.